Festi urbain, c'est quoi? La culture urbaine se donne rendez-vous dans la ville de Cognac pour tous les jeunes de 11 à 25 ans, unique sur le territoire. Le Festi urbain se déroule sur toute la semaine du lundi 31 juillet au vendredi 4 août et sur plusieurs sites de la ville. Le graff, le scratch, le rap, le breakdance et le web reportage sont les disciplines artistiques proposées. Tous les soirs, à 18h, près d'une cinquantaine de jeunes se retrouvent dans l'atelier de leur choix, encadrés par un pro. Expérience, partage et plaisir, que l'aventure commence. C'est quoi le rap ? Le rap c'est la musique des jeunes, on va dire, je pense. La musique des jeunes que tout le monde écoute. Je pense qu'on va faire pas mal de rap quand même cette semaine. Et de faire faire des morceaux, créer, enregistrer, répéter. Pour qu'ils puissent en fait présenter un peu leur projet vendredi soir. Et si ça pète, on l'a mérité. Et si ça pète, on l'a mérité. Sale fou, sale fou. Écoute. Je connais, on les fait deux, trois, non, je suis refait, j'avoue jamais les faits, on les baisse en effet. Dans la vie, j'ai traîné, mon place, il est cramé. Hein? Un qui j't'a le marcel, donc j'vais serrer les camés. Fais pas trop le fou, y'a des caméras. J'dois des housses, on viendra chez toi. Tu sais que j'me sens partout chez moi. Tu sais que j'me sens partout chez moi. Faut ramasser les billets, c'est genre. Mais j'm'en ramène, j'étais à la cité. Cité, mon gars, j'suis jamais le cité. J'ai des frères qui sont au PC, mais qui m'ont jamais assis. J'ai des rires devant la juge, moi j'aurais pu éviter. T'es prêt? Vas-y. Ouais, c'est bien, pas d'instru. Tu connais, on les fait de 3 lions, je suis refait. J'avoue, jamais les faits, on les baise en effet. Dans la ville, j'ai traîné, mon blaze, il est cramé. La quiche t'a le Marcel, donc je vis serré. Yes! Ouais. Compte sur personne dans la vie, moi j'écoute pas les avis. Je barre solo dans la ville, il faut pas 100, il me faut 1000. Compte sur personne dans la vie, moi j'écoute pas les avis. Je barre solo dans la ville, il faut pas 100, il me faut 1000. Dans ça, j'ise le 1000. J'appelle Jason pour le kill. Les rappeurs, je vais les killer. L'instru, je lui fais les guillis. Du coup, je suis là toute la semaine pour accompagner des jeunes artistes et des jeunes du quartier de Croin à faire de la musique. On est là, posé sur le banc, qui se fait tard en bas du bâtiment. Malgré la pluie, il y a l'un qui déchante. Tout ce qu'on veut, c'est vivre tranquillement. Bravo! Merci! Sans les web reporters, le court-métrage n'existerait pas. Merci Jérôme et Victorio de l'atelier Micmac d'Angoulême qui nous accompagnent dans le super projet de journaliste. Écrire, filmer, interviewer, photographier sont notre quotidien. Ils nous critiquent pour l'instant, mais chiffres sur tes cracks, ça nous guette. Mais chiffres sur tes cracks, ça nous guette. Ils ont la haine, ils pètent leur tête, ils sont 40 sur une plaquette. Point de traite, vous traînez un peu dans toutes les décis. Vous nous faites les parents de la zone, on sait tous, vous venez d'ici. Bon, bah la main, c'est le graphe avec Atom Ludique de Saint. Un groupe de jeunes motivés et sensibilisés au respect du vivant. Création d'une œuvre collective autour des quatre éléments. Comment t'as découvert le graphe? La première fois que j'ai fait du graff, c'était à Croin, c'était pour repeindre nos murs de la cale. Oui, on était à Croin et il y a un éducateur qui nous a appelé pour faire du graff et du coup on y a été, voilà quoi. Est-ce que tu pourrais en faire ton métier plus tard ou pas? Non, je pense pas en faire mon métier, mais pour passer le temps, le loisir et tout ça, ouais, c'est pas mal. D'accord, et toi Ilan? Non, je pourrais pas en faire mon métier, mais pour le kiff, ouais. Si la bombe explose près d'un mur, est-ce que vous considérez ça comme de l'art? Si c'est fait exprès, oui, mais si c'est pas fait exprès, non. Oui, ça dépend, il y en a qui le font exprès, donc oui. Comment tu as découvert le graff? Eh bien, pour reprendre la petite anecdote qu'on vient de me souffler dans l'oreillette, il paraît que je suis tombé dedans comme Obélix, là, dans la marmite. Quelle musique vous écoutez quand vous graffez? Trip-hop, jazz, des musiques plutôt calmes, plutôt que de l'électronique, enfin ouais, électronique même soft. Pour la concentration, c'est mieux. Voilà. Et quand j'ai besoin de speed, je vais mettre des trucs un peu plus speed, quoi. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous décrire l'univers que tu es en train de graffer? On est en train de graffer les différents éléments, donc la terre, l'eau et le feu. On grave ça aussi parce que c'est un peu pour passer un message, parce que c'est important. On en a besoin pour vivre, pour sensibiliser les gens. Puissance du son avec le scratch et l'intervenante l'atypique de Nantes. Le DJing est dans la place. Les jeunes casques aux oreilles jouent d'avant en arrière sur des disques vinyles. Ça balance du son. Qu'est-ce que c'est pour toi le scratch? Le scratch, c'est de faire bouger des disques vinyles et de faire de la musique avec. C'est effectivement le fait de prendre un son et de jouer avec une platine vinyle et un disque et de recréer un autre son en fait. Si le scratch était un animal, lequel serais-tu? Un chien. D'accord, et toi? Un chat.
D'accord, et vous ? Et moi pareil, je pense qu'ils disent ça parce que des fois avec le scratch on fait des bruits un peu chelous qui font waouh 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 waouh. Et voilà, je pense que c'est, j'avoue, chien, c'est à cause de ça. Comment se déroule l'atelier scratch ? Alors du coup l'atelier n'a pas pour but de leur apprendre à scratcher parce que ce serait trop long et trop difficile, mais du coup je leur montre un peu comment ça fonctionne, je leur montre le matériel qu'on utilise et après le but c'est vraiment qu'ils s'amusent, qu'ils choisissent des sons et qu'ils voient juste en fait qu'ils aient une base de ce que c'est le scratch. Bouge ton corps avec le breakdance et Stanislas de NC Dance School de Cognac. Des jeunes motivés qui, dans une superbe ambiance, découvrent le dépassement de soi physiquement et la persévérance. Alors là, nous sommes dans l'atelier breakdance et qu'est-ce que c'est le hip-hop ? Je danse, je fais des figures, je fais un peu de tout quoi. Ok, merci. Et toi ? Le hip-hop, c'est une danse et c'est des figures et c'est un style qu'on impose et tout ça, c'est super joli. Si le hip-hop serait un animal, lequel serait-il ? Moi, j'aurais dit la panthère parce que c'est un animal imposant et je trouve qu'il a vachement de flow. Est-ce qu'on peut faire du hip-hop avec toutes les musiques ? Oui. Non, parce que si on faisait du classique, par exemple, ça ferait ti-ti-ti-ti-ti et pas du tout, pas, mais vraiment pas du tout. Pour moi aussi, c'est pas possible parce que la danse classique, c'est lent et c'est pas comme les vraies musiques de hip-hop. Est-ce que tu aimes le breakdance ? Oui, parce que c'est trop bien, parce qu'on apprend les figures. Oui, j'adore le breakdance parce que c'est une danse... Enfin, j'ai toujours aimé la danse en général et je trouve que c'est un bon échappatoire pour le sport et tout ça. Moi, j'aime bien le breakdance parce que j'apprends des figures et des positions que je ne savais pas avant et en ce moment, j'arrive mieux qu'avant. La différence entre le hip-hop et le breakdance ? Alors, pour répondre à ta question, il n'y a pas de différence. Le breakdance fait partie du mouvement social du hip-hop. Donc le hip-hop, c'est le mouvement social des Afro-Américains et d'Hispano-Américains qui sont révélés face aux Blancs Américains. Comment se déroule l'atelier ? Ben écoute, ça se déroule très très bien. Il y a 6 jeunes avec moi depuis 3 jours. Donc c'est vraiment bien et on va vous faire un super spectacle pour le vendredi. C'est la fête au cœur du quartier de Rouen. Un rassemblement autour de cette jeunesse avec des démos de toutes les expériences de la semaine. Un show pour le plaisir des yeux et des oreilles. Oh, c'est à l'ancienne, je suis perdu sans flow. Trop de flow, la vie nous pèse, un jour j'aurai plus plein pro, non. La route est longue, sur une feuille, je vais écrire mon chemin. Putain, la vie est courte, j'écris ma peine et puis je rallume ma joie. Ouais, je débite fort, toi t'aimes trop ça, on voit la prod, mec, je kick fort. Ouais, c'est trop sale, hein. J'écris ma peine, ouais, pour voir si ça m'apaise le cœur, j'ai trouvé ma passion. Comme Annie, ouais, c'est le destin, mon pote. Freestyle de l'été, là, je suis venu péter planète rap. J'ai trop chaud, des game punchlines, et crois-moi, personne m'arrêtera, non. Poto, t'es pas dans les dents, une pute chez moi, ça paraît rare. J'ai trop fumé, je m'en file la télé, les yeux rouges sous les carrières. Ouais, tu t'attendais à quoi ? Des petits minous, tout gentil, frérot, la patate vient du 16, et crois-moi que tu vas la sentir. Petit nous, on connaît que la merde, à part s'en sentir. Je rappe à la scie, moi, juste la première fois pour toi, être faux sentir. Chaque jour c'est les mêmes problèmes, je canalise en fumant. J'écoute des fous de mais en vrai je sais que les mains tout le monde briller. On sort direct des bas-fonds. Tire en service et ça te prend pour un bouffon. C'est de leur d'espoir que je voulais. À des moments, ces fils de thème dans mon destin viennent la voler. Ils font les seins, mes paires de seins suffisent simplement à faire tomber tous les chemins vers lesquels ils prétendaient tous se retourner. Perso, la vie est un taxi, plus tu vas loin, plus tu paies cher. Un peu comme l'amour aujourd'hui qui ne vaut plus rien. Oui, sans oseille. Sans oseille. C'est dans la tête que je nomme ma peine. J'ai tout donné, mon frérot, j'ai tout donné. J'ai conscience, c'est la faute de tout donner. Tout lever dans la poche, puis finir par m'isoler. M'isoler en vacances sans personne à mes côtés. Allez, tout le monde! J'peux pas faire semblant,
J'peux pas faire semblant, répondre à tes appels serait une perte de temps. Perte de temps, j'pars toute la nuit avec un verre de sang. De Jésus. Un verre de sang, un couteau dans le dos et tu m'appelles le sang. J'peux pas faire semblant, j'peux pas faire semblant, répondre à tes appels serait une perte de temps. Perte de temps, j'pars toute la nuit avec un verre de sang. De Jésus. Verre de sang, un couteau dans le dos et tu m'appelles le sang. J'peux pas faire semblant, j'peux pas faire semblant, répondre à tes appels serait une perte de temps. Perte de temps, j'pars toute la nuit avec un verre de sang. Verre de sang, un couteau dans le dos et tu m'appelles le sang. Ouais.